Good morning, Alaïdan, et aujourd'hui le Nishmat Esther Bat Miriam, René Avram Ben Mordechai, ainsi que le Fouat Oliver Israël Shimon Ben Chaya Esther, Ramchat Miram Bat Mozena et Binyamin Ben Chabiba Ptor Shachol Israël. Si vous êtes vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Rouvin Perik Vav Mishnah Vav. Chamesh Chabourot Shechavtu Bitraklin Echad. Bet Shamay Omrim, Eruv Lekol Chaboura Va Chaboura. Ou Bet Hillel Omrim, Eruv Echad Lekulan. Moudim Mizman Shemixatan Sherouim Bachadarim ou Baaliyot. Une Mishnah qui va nous parler des Eruv Chatzerot. Je vous présente d'abord la mise en scène. On va la faire en deux temps. Dans un premier temps, on va expliquer d'abord le principe qui est écrit dans la Mishnah tel quel. C'est pas très compliqué. Seulement, pour bien comprendre la Mishnah, il faut ensuite introduire plusieurs conditions. Je le ferai dans un deuxième temps. Et ces conditions, on les retrouvera dans la prochaine Mishnah. Donc en fait, on va voir en fait deux Mishnah aujourd'hui et demain qui véhiculent plus ou moins le même principe. Il se le met un petit peu de deux manières, mais c'est la même idée. Et on va d'abord, introduction de base. Lorsqu'on est quatre voisins dans l'immeuble, dans la cour, puisqu'on parle de cour à l'époque, il y avait plusieurs maisons individuelles, chaque maison doit donner un pain pour le Hérouve. Normal. À l'intérieur d'une maison, c'est pas la peine de donner chacun un pain. On est une famille, donc on donne nous un hérouv. Le voisin d'en face, une famille, donne un hérouv, et ainsi de suite, on est quatre, donc on donne chacun un hérouv. La Mishnah, elle va nous parler d'un cas particulier, c'est qu'en fait, on a par exemple deux maisons, trois maisons, deux petites, même deux maisons, ça suffit, allez, une petite maison où il y a un voisin qui habite, et une maison, c'est une immense pièce, un traclin, un château. Un château, c'est comme à l'époque, si vous allez dans les châteaux en France, des pièces gigantesques, mais où il n'y a pas de mur. Et ces grandes pièces-là, alors, il est partagé, selon la nécessité, la Mishnah va parler d'un cas pareil, où ils ont partagé l'immense pièce en plusieurs compartiments. Il s'avère que ceux qui habitent dans la très grande pièce, ils ont, comment dire, ils ont des petits... Ils partagent certaines choses ensemble, ils ont aussi leur petit lit privé. Et la question est de savoir comment les considérer par rapport aux hérouves de la cour. C'est-à-dire, la maison individuelle, lui, c'est sûr qu'il doit donner un pain. Mais ce grand château où il y a cinq, qu'on a partagé ça en cinq compartiments, où d'un côté chacun a sa petite vie, mais d'un autre côté il y a aussi une petite vie commune. On considère ça comme une maison ou comme cinq maisons. Et la Mishnah, elle va nous rapporter une petite machloket Bechamel Mutiel, ça dépend de la hauteur des murs, tel que c'est rapporté. On expliquera après, à la fin de la Mishnah, quand on va finir la Mishnah, je vous introduirai quelque chose de beaucoup plus subtil, qui va être plus explicite dans la prochaine Mishnah, mais c'est nécessaire déjà pour bien comprendre la Mishnah. D'accord? Je commence par traduire tout de suite. Hamesh Chaburot Sheshavtu Betraklin Echad. On a cinq Chaburas, cinq groupes de personnes qui ont fait leur Shabbat. Shavtu, ils se sont installés pour Shabbat. Betraklin Echad dans un grand château, dans une très grande pièce. Et puisqu'ils sont cinq groupes, ils ont partagé ça en cinq, avec des séparations provisoires. D'accord? On va expliquer plus en détail après. Bet Shamay Omrim. Bet Shamay nous disent, ah, vous avez partagé ça en cinq. Hérouv, l'école Chabura va Chabura. Chaque groupe doit donner un hérouv. Donc on a le voisin d'en face, il me donne un pain. Et là, vous êtes cinq, vous donnez cinq pains. Ou bet il est l'omrim, et tandis que bet il nous dit non, hérouv et écrase les koulan. Tout ce grand château là où ils sont tous ensemble, finalement, ils peuvent donner un seul pain parce qu'ils ne sont pas vraiment bien séparés. On va expliquer pourquoi tout de suite après. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut continuer la Mishnah. Ou modim mizman shemiksatan shomroim bachadarim oba aliot. Cependant, ils reconnaissent tous, c'est-à-dire Beth Hillel vont reconnaître à Beth Shammai qu'il y a un cas particulier, il faudra que chacun donne un pain. C'est quoi le cas? Dans le cas où Miktsatan Shuruim Bachadarim au Baaliot, dans le cas où certains résident dans des chambres, donc on ne parle plus d'une grande pièce séparée avec des murs provisoires, on parle d'une vraie chambre, au Baaliot ou encore, Baaliot c'est à l'étage, ils sont séparés en deux par exemple. Chehen, Srichin, Eruv, l'école Chabura et Chabura, que dans ce cas-là, il faudra donner un Eruv à chaque personne. Et en fait, d'abord, on commence par expliquer la fin, plus précisément. Le Bartanura, la deuxième partie du Bartanura, il nous explique qu'en fait, tout d'abord, le principe, il est comme ça. Lorsqu'on est dans une très grande pièce, alors, si on n'a aucun mur entre nous, on est considéré comme une seule grande famille. Si toutefois, on a séparé ça en deux, parce qu'il y a des pièces bien distinctes avec des vrais murs, ça c'est Beth Hillel, ils sont même d'accord avec Beth Shammai, que dans ce cas-là, puisque vous êtes dans le même... Vous êtes chacun considéré comme deux personnes indépendantes, vous ne mangez pas ensemble. Ouais, c'est vrai que vous vous rencontrez lorsque vous devez partir au robinet ou des trucs comme ça, mais vous n'êtes pas... Enfin,
Vous n'êtes pas foncièrement, vous êtes, même si vous êtes dans une seule maison, chacun est là, une entrée directement, bien sûr, sur la cour, chacun est là à son passage directement, vous êtes considéré comme deux maisons, même si finalement vous êtes plus ou moins sous un même toit, parce que vous êtes séparés avec des vraies séparations. Ça, tout le monde est d'accord. Ok ? Quand commence la discussion, lorsque vous êtes dans une grande pièce, sur un même étage, vous avez mis des séparations provisoires. Les séparations provisoires, ça se passe comme ça. La Gemara, elle déduit en fait que si on a des séparations provisoires qui montent jusqu'au plafond, ça partage bien, ça fait des cases bien, bien distinctes, même si c'est provisoire. On a pris ça, on a pris des ustensiles, on les a empilés l'un sur l'autre, on a pris des meules de foin, je sais pas, on a séparé comme ça, tant bien que mal. Même si c'est provisoire, d'ici la fin de Shabbat, on supprime tout. Malgré tout, pour le moment, vous êtes vraiment séparés, ça arrive jusqu'au plafond. Vous êtes séparés, et vous êtes cinq, et chacun doit donner un pain comme si c'était des chambres séparées. C'est déduit dans la Gemara, de la fin de la Mishnah, d'une insistance un peu, qu'on parle d'un cas, pareil. Quand la discussion se trouve, lorsqu'on a des murs provisoires, mais que ça n'arrive pas jusqu'au plafond. Ça n'arrive pas jusqu'au plafond, donc en fait, il s'avère que finalement, on est jusqu'à la mi-hauteur à peu près, on a des vraies barrières, qui sont considérées comme des barrières pour toute la Torah, mais provisoire, où est-ce qu'on a le, on se partage finalement le même espace. Alors finalement, c'est considéré comme, c'est selon Beth Hillel, il considère que c'est comme si tu as mis 5 lits à côté de l'autre. Quoi. Si vous êtes tous dans une même pièce, vous êtes malgré vous tous ensemble, il n'y a pas de séparation, vous donnez un pain pour tous et vous vous acquittez de la sorte. Et Beth Shammai va donner non, puisqu'il y a des séparations, c'est un statut de séparation dans toute la Torah, c'est considéré comme une vraie mechitza, ça vous partage, vous êtes considéré comme 5. D'accord ? Donc le principe, pour le moment, de la Mishnah telle qu'elle, elle est relativement simple. Elle est de savoir, en fait, donc, il y a le voisin d'en face, lui, il donne un pain. Ce grand château, s'ils sont vraiment séparés, chacun doit donner un, parce que vous n'avez pas... Même si vous entrez tous dans la même grande porte d'entrée, supposons, après vous vous séparez, chacun il va dans sa pièce, et chacun il a sa petite vie, chacun il doit donner un hérouf, parce que vous êtes complètement séparés. Si c'est des séparations provisoires... D'accord ? Alors là, c'est là où il y aura la discussion. Est-ce que le fait que finalement vous êtes dans un même grand espace, dans un même grand halal, et par le haut, si jamais il éternue, l'autre il lui répond à tes souhaits, quoi. D'accord ? On est tous en ce... on est tous dans le même... On est tous dans la même ambiance. Alors là, est-ce que c'est considéré comme une seule grande maison ou pas ? Maintenant. Condition super importante. D'accord ? Là, on a fini maintenant d'expliquer la Mishnah telle qu'elle. Maintenant, il y a des conditions qu'on va voir. La prochaine Mishnah, il y aura plus ou moins le même principe, où cette fois-ci, ça va être des frères qui vivent autour de leur père, on expliquera plus dans les détails. Mais la Mishnah va nous donner là-bas des conditions, à la fin de la Mishnah, qui s'applique déjà ici, que le Bartanora et Tosot Yom Tov, surtout, font entrer déjà dans notre Mishnah. Pour définir plus précisément le statut de ces cinq groupes de personnes qui vivent, qui ont mis ces séparations, même supposons même dans le cas où ils ont fait monter des vrais murs, mais ils sont dans le même espace malgré tout, concrètement, ils ne sont pas vraiment comme cinq personnes indépendantes, comme cinq maisons indépendantes. Ils sont plutôt comme cinq personnes, cinq maisons indépendantes qui se sont déjà associées, parce que malgré eux, ils sont associés. J'insiste sur la finesse, pour vous dire en fait deux halakhot concrètes. Si toutefois, il n'y a pas d'autres, il n'y a pas d'autres voisins, il y a juste ce traclin, cette grande pièce qu'ils ont séparée en cinq, et qu'ils sont les seuls à l'utiliser, je crois qu'on commence avec le cas simple, ils sont les seuls à l'utiliser, alors là, dans ce cas-là, ils sont considérés, ils n'ont pas besoin de faire du tout de hérouf entre eux. Même d'après Beth Shammai ou même d'après Beth Hillel, ils ont monté les murs jusqu'au plafond, parce que vous êtes considérés comme une seule maison. Mais plus précisément, c'est pas que vous êtes considérés comme une maison, vous êtes considérés comme, la vraie définition, elle est que vous êtes considérés comme cinq maisons indépendantes qui se sont déjà associées, parce que le fait que concrètement, vous êtes tous ensemble, ça fait que vous êtes associés. Vous êtes déjà associés. Alors, si vous êtes tout seul, il n'y a même pas besoin de faire un hérouv. S'il y a déjà une autre personne avec qui il faut faire un hérouv, et on va prendre un hérouv qu'on va amener chez lui, là commence la problématique de la Mishnah de nous dire « Ah, si vous avez les murs qui montent jusqu'en haut, d'après Beth Hillel, ou d'après Beth Shammai, même les murs qui ne montent pas jusqu'en haut, vous allez mettre un hérouv ailleurs, alors il s'avère que maintenant vous devez chacun faire un hérouv, et chacun donner un pain pour vous associer avec l'autre. » Avec un cas particulier, ça va plus compliqué, on l'expliquera mieux dans la prochaine Mishnah, c'est si toutefois le voisin il met le hérouf chez vous, de nouveau ce sera plus la peine que chacun redonne un hérouf. C'est une définition un peu délicate, retenez juste l'idée, c'est que ces cinq personnes, ils sont pas vraiment cinq maisons, mais ils sont quand même cinq maisons. C'est-à-dire, ils sont considérés comme cinq maisons déjà associées.
Et du coup, s'ils sont tout seuls, ils sont déjà associés. Mais s'il faut s'associer avec quelqu'un d'autre, alors chacun il doit redonner son pain. Si on amène le pain chez eux, ah, tu l'amènes chez nous, les associés, on est déjà associés, donc un seul pain, ça suffit. Sinon, on doit amener le hérouf chez quelqu'un d'autre, alors il faut que chacun y donne. D'accord? Parce que la vraie définition, c'est concrètement, c'est 5 maisons indépendantes qui se sont déjà associées et qui doivent continuer à s'associer avec un autre. D'accord? On verra ça avec Rezat Hashem dans la prochaine Mishnah, avec l'histoire des frères qui vivent chez leur père. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.